C'est bien à la rencontre féconde du judaïsme et de la laïcité que le CCLJ doit sa pérennité et son admirable vitalité. L'inquiétude du monde associée à un optimisme vigilant, le rayonnement d'un judaïsme citoyen, la transmission des mémoires et d'une éthique séculière font la richesse du CCLJ et de ceux qui y participent. Sachez qu'au sein d'une ville cosmopolite et multiculturelle comme Bruxelles, je me tiens personnellement aux côtés du CCLJ dans ses efforts inlassables pour rapprocher les communautés, lever les préjugés et libérer la société de ses hoquets haineux. Puisse cet anniversaire nous servir de balise dans le cours du temps et rendre compte de ce que le judaïsme laïque a partie intimement liée avec notre Belgique, où pour devenir pleinement soi, il convient à chacun de reconnaître la place de l'autre. Je vous remercie. Pour moi, effectivement, le CCLJ a une signification spéciale et je ne pouvais pas imaginer de ne pas être avec vous pour célébrer ce 60e anniversaire. Le centre communautaire laïque juif, c'est aussi deux grandes causes, la perpétuation du devoir de mémoire et la lutte contre le racisme et en particulier l'antisémitisme. Ces combats sont essentiels, on l'a encore vu récemment, au travers de posts immondes, je pense qu'il faut le dire, sur les réseaux sociaux. Je le dis souvent, si nous restons toutes et tous marqués par les histoires de nos aïeux, nous sommes probablement les derniers à connaître cela. À ce titre, nous avons besoin d'organisations, à l'image du CCLJ, qui veillent à faire vivre ce devoir de mémoire, c'est un impératif. Je souhaite évidemment au centre de continuer au moins, vraiment au moins, pour 60 années encore, toutes plus fructueuses les unes que les autres, encore une fois, mes sincères félicitations pour le travail accompli et celui à venir. Vous pouvez certainement compter sur notre soutien. Je vous remercie. Nous resterons à vos côtés. Mais je me souviens, Suzanne le sait fort bien, que c'est Suskind qui m'a conduit pour la première fois en Israël avec, tenez-vous bien, Henri Simonet, avec Edmond Mactens, avec Jean Chabert, en 68. J'étais tout jeune député. Et je me souviens des moments extraordinaires que j'ai pu passer avec lui, et toute cette frange, cette extraordinaire vague de volonté, d'autonomie, de libération, d'auto-libération, qui marque tous celles et ceux qui ont dirigé cette belle organisation, nous la trouvons encore aujourd'hui. Elle est nécessaire. Et peut-être, pour être biblique en terminant, peut-être cette association dans la grande famille juive est un peu le sel de la terre. Et je crois qu'aujourd'hui, votre anniversaire doit aussi être l'occasion de rappeler à quel point cette démocratie, ce n'est pas un acquis éternel, ce n'est pas quelque chose vis-à-vis duquel rien ne peut arriver. C'est au contraire une période de l'histoire extrêmement courte dans notre histoire, en Europe, et c'est un moment que nous devons chérir et surtout cultiver au quotidien. Et c'est également la raison pour laquelle votre place et votre rôle est essentiel, puisque cette démocratie ne passera que par plus de liberté, que par aussi un entretien du libre examen, de la conscience de chacun de pouvoir faire ses choix en connaissance de cause, dans l'intelligence, mais aussi la rencontre entre les uns et les autres. Et donc à ce titre, ce soir, je voulais surtout vous dire merci. Merci pour les combats que vous menez. Merci pour cet engagement en dehors de toute considération partisane, au-delà des partis. Et je crois que le fait que l'ensemble des partis démocratiques soient représentés ce soir est un signe extrêmement positif qu'au-delà de nos divergences, nous devons cultiver ce qui nous rassemble. C'est dans le vide de la pensée que naît le mal, disait encore, dans une citation très célèbre, la même Hannah Arendt. Et j'ai envie de compléter, modestement, je me permets de dire, pour combler ce vide, heureusement qu'il y a des organisations comme le CCLJ. Parce que pour combler ce vide de la pensée, dans lequel, en effet, eh bien, l'homme va parfois puiser ce qu'il y a de pire en lui, on peut évidemment faire quelques discours, on peut ériger des droits, quelques principes, on sait tous que ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est du temps passé ensemble, des arts, de la musique,
des activités, des expositions, des rencontres, des débats. Et c'est ça que le CCLJ a apporté depuis 60 ans à cette ville et à ce pays, en faisant se rencontrer des gens de toutes origines. Merci. Merci de continuer à être des sentinelles de la démocratie dans des temps qui nous paraissent à tous bien sombres, nappés de repli sur soi, de racisme, d'antisémitisme, du slogan facile. Merci à vous tous de continuer à être les sentinelles d'une démocratie qui peut-être, ne pourrait jamais autant avoir besoin de vous que dans les années à venir. Merci. Mes chers amis, c'est aussi pour moi un très très grand plaisir d'être là ce soir, et d'ailleurs je n'aurais pas pu imaginer de ne pas être présent ce soir, d'abord pour retrouver de nombreux visages amis et pour célébrer à la fois la mémoire de David Suskind et l'œuvre extraordinaire accomplie par lui-même, par toutes celles et ceux qui l'ont accompagné au moment où ils ont créé ce qui était à l'origine le Centre culturel et sportif juif, un lieu où de jeunes hommes et de jeunes femmes pouvaient, 15 ans après la libération des camps, affirmer leur volonté de cultiver à la fois leur identité, leur histoire et leur laïcité. Et il fallait pour cela beaucoup d'audace et beaucoup de culot. Au-delà de ça, c'est évidemment le combat qui est mené au quotidien et que chacun d'entre nous, au-delà de nos divergences politiques, évidemment, nous saluons, celui d'oser continuer à cultiver son histoire, de continuer à dire combien elle est importante, combien on ne peut comprendre l'histoire des autres sans connaître la sienne, qu'il faut réaffirmer aujourd'hui. Et réaffirmer aussi, parce qu'il y faut de l'audace, de la laïcité. C'est vouloir toujours comprendre et ne jamais juger, c'est vouloir construire des ponts là où d'autres bâtissent des murs, c'est vouloir creuser la compréhension de qui on est pour mieux comprendre les autres, c'est oser la nuance là où il est si facile de porter des jugements à l'emporte-pièce, c'est oser plaider la fraternité et la compréhension quand la haine est si facile à diffuser. Et ça, c'est un héritage qui est absolument extraordinaire et qui fut précurseur et qui reste fondamental dans un pays comme le nôtre. J'espère, comme Sophie, je vous souhaite 60 années au moins encore de vie extraordinaire, et je nous souhaite, aux plus jeunes d'entre nous en tout cas, d'être nombreux pour célébrer le 100e anniversaire du CCLJ. Merci. Venant d'une famille migrée de culture arabo-musulmane, je dois dire que je suis très très contente et très émue d'être là ce soir. Alors, comment ne pas évoquer un autre moment intrinsèquement lié à la création du CCLJ, c'est le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau et des autres camps de l'horreur. J'ai une pensée émue pour toutes ces familles et ces victimes et leurs familles. Moi, je pense qu'il faut se souvenir pour que nulle part ailleurs ce genre de crimes aussi monstrueux puisse exister, puisse se reproduire. David Suskind, c'est une image de résilience et de résistance. Ces années ont été son moteur pour la tolérance et le devoir de mémoire. Et je remercie ces hommes et ces femmes qui depuis 60 ans, donnent de leur temps et de leur énergie pour que plus jamais ça ne soit pas juste un slogan, mais ça soit ancré en chacun et chacune d'entre nous. Les replis identitaires, c'est le grand défi, évidemment, de notre société et de notre ville. Et le CCLJ ? Eh bien, le CCLJ, justement, j'ai revu un peu tout ce que le CCLJ a fait depuis 60 ans. Je ne vais pas vous égrener, ça ce serait évidemment trop long. Mais le CCLJ, depuis 60 ans, qu'est-ce qu'il fait ? Il jette des ponts, il s'ouvre, il cherche le dialogue, il essaye de s'ouvrir à d'autres identités. Et vous avez eu des activités même à l'échelle des quartiers chez nous, mais bien au-delà des quartiers, bien sûr. Et donc, une identité ouverte, non exclusive. C'est ça qui est évidemment, je dirais, le grand rôle qui est le vôtre. Et je voudrais vous dire que, pour moi, le CCLJ symbolise justement cette réponse à la modernité de nos grands défis urbains. C'est justement de faire en sorte que ces identités puissent se rencontrer. Parce que pour moi, le CCLJ, ce n'est pas seulement le rapport avec une institution, c'est le rapport avec des hommes et des femmes qui ont fait aussi mon histoire à moi, à mon histoire personnelle et ma connaissance aussi du judaïsme. Dans une époque émouvante, la cohésion sociale est sous pression, beaucoup de pression. La manière dont les communautés religieuses et les groupes minoritaires sont ciblés aujourd'hui prouve que les démons de notre passé, si c'est 100 ans, 50 ans, n'ont pas encore disparu. Ils sont de nouveau ici. Et le CCLJ joue un rôle
de premier plan dans les discussions importantes sur le vivre ensemble. En Belgique, maar ook daarbuiten. En dat gevecht tegen het antisemitisme, dat gevecht tegen iedereen die samenleving wil onderverdelen in wij en zij, is een gevecht dat niet alleen in West-Europa, maar over heel de wereld woedt. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Si je ne suis que pour moi, je serai. Et si pas maintenant, quand? Quoi de plus juif? Quoi de plus efface? Cher CCJ, il ne va pas dire donc de continuer. Pour 60 ans, après, on verra. Bonne arrivée. Depuis 60 ans, nous sommes aux côtés de tous ceux qui luttent pour plus de liberté, d'égalité, de fraternité et de démocratie. Dans les années 60, pour la paix au Vietnam. Dans les années 70, pour sauver les boat people. Dans les années 80, dans la lutte contre l'apartheid. Dans les années 90, le soutien en bosniaque et notre solidarité avec les Tutsis du Rwanda. Dans les années 2000, dans la lutte pour la pénalisation du génocide arménien et pour celui des Tutsis. Aujourd'hui, contre les attaques insupportables contre l'état de droit au cœur de l'Europe. Le CCLJ, comme toute force réelle et vivante, s'efforce d'avoir une tête qui ne cesse d'apprendre, un cœur qui lui laisse parler ses émotions, des bras fournis par notre mouvement de jeunesse et par tous nos membres, et deux jambes sur lesquelles nous nous appuyons pour avancer. Une jambe juive et une jambe citoyenne. L'une ne va pas sans l'autre. Transmettre ce judaïsme laïque n'est certes pas une tâche aisée, mais elle est possible. Cette voie étroite nous permet de réconcilier le particulier et l'universel. Si nous pouvons le faire, d'autres le peuvent aussi. Kol ha'olam kul Gesher tsar me'ot, pas moi. Gesher tsar me'ot, Gesher tsar me'ot, Kol ha'olam kulo Gesher tsar me'ot, Gesher tsar me'ot. Ve-ha-i-kar, lo le-fachet, lo le-fachet klal. Ve-ha-i-kar, lo le-fachet klal. Kol ha-olam, ve-ha-i-kar. לא לפחד, לא לפחד, והעיקר, לא לפחד כלל.